Yo, salut à tous, c'est Yoda de la Zombie Factory. Je suis heureux de vous retrouver sur du GTA V Online. Avec Lady, on a décidé de vous refaire une série de vidéos sur GTA V en vous dévoilant l'emplacement des véhicules cachés et des armes secrètes. On va commencer aujourd'hui avec l'emplacement du cocktail Molotov. Enfin, plus précisément, comment l'obtenir. Il vous suffira simplement de prendre votre téléphone, d'appeler Meriwether, donc qui est dans votre liste de contacts, et de demander un largage de munitions. Ça vous coûtera 1000$. Suite à ça, vous allez voir un message en haut à gauche de votre écran qui vous signale qu'un largage de munitions va être effectué sur votre situation GPS dans quelques secondes. Donc voilà, là j'étais en train d'attendre la caisse. Et voilà, vous pouvez voir que la caisse arrive par parachute, donc larguée d'un hélicoptère, pardon, ou d'un avion. Donc je vais m'approcher de cette boîte, et en passant dessus, vous allez voir que je vais faire le plein de munitions et que je vais obtenir 3 cocktails Molotov, donc qui se situent dans l'emplacement des grenades. Donc voilà, j'avais le bidon d'essence, tout ça, les bombes collantes, les grenades, et maintenant j'ai les cocktails Molotov. Donc vous pouvez lancer ça sur des personnages, dans les missions, sur des ennemis dans le multijoueur. Vous pouvez lancer ça sur des voitures. Vous pouvez voir que là, je la lance donc sur une dame qui faisait les vitres. Et en lançant un deuxième, il y a le décor qui va prendre feu. Ça ne va pas le détruire, mais voilà, ça brûle un petit peu le décor. C'est assez sympa, l'effet des flammes est plutôt bien fait. C'est plutôt joli. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les gens!